Bonjour à tous, il est 14h et merci de nous avoir rejoints de nouveau aussi nombreux sur cette webconférence ESMS qui aujourd'hui s'intitule Comment répondre à l'appel à projet du programme ESMS numérique. Je m'appelle Elvire Cavallini, je suis animatrice de communauté et vos principaux interlocuteurs de cet après-midi seront Benoît Huet et Marie Collin, tous deux chefs de projet à la NAP, ainsi que Nadège Van Est, experte numérique de la NAP. Alors, avant de commencer cette webconférence, quelques règles de fonctionnement. Donc, en fait, vos micros et vos caméras sont éteints par défaut. Néanmoins, vous avez la possibilité de pouvoir poser toutes vos questions dans l'onglet Discussion. Et d'ailleurs, on vous invite, quand vous écrivez vos questions, à choisir l'option Tous les panélistes et participants, puisque panéliste dans le langage Zoom signifie les animateurs, donc nous côté ANAP. Et donc pour que tout le monde, pour que tous les participants d'aujourd'hui puissent voir et échanger sur des questions qui sont posées sur le fil de discussion, on vous encourage donc à ce que vous choisissiez l'option tous les panélistes et participants. Également, un autre point important, c'est que évidemment, les échanges se poursuivent à l'issue de cette webconférence. Donc, vous avez sur votre écran le lien où vous trouverez le support et le replay de la webconférence d'aujourd'hui, mais également celle de la semaine dernière. Et ne vous inquiétez pas, en tout cas, nous reviendrons à la fin de la webconférence pour vous montrer plus concrètement à quoi ça ressemble. Bon, eh bien, maintenant, je vais donner la parole à Marie Collin qui va vous présenter les objectifs et commencer cette webconférence. Marie, c'est à toi. Merci Elvire. Bonjour à tous, donc je suis Marie Collin, je suis chef de projet à la NAP et nous allons vous partager aujourd'hui les objectifs de cette webconférence. Nous faisons suite à la première webconférence que nous avons pu vous proposer la semaine dernière et aux réunions de présentation du programme ESMS numérique que vous avez pu avoir ou que vous allez avoir via votre ARS ou la CNSA, qui ont davantage pour objectif de vous expliciter le contenu et les modalités du programme ESMS numérique. Nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est davantage de vous donner des pistes de réflexion pour vous aider à élaborer votre stratégie numérique et pour vous aider à vous positionner sur le programme ESMS numérique. On va donc partager vos interrogations. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ce programme est nouveau. C'est une phase d'amorçage qui se lance, c'est donc une phase pilote, tout est à construire. C'est une phase qui va servir à identifier vos besoins, vos questions sur la manière d'appréhender les projets de DEI et plus généralement sur l'élaboration et la mise en œuvre de votre stratégie SI. Et donc, c'est un moment de construction. Donc, cette webconférence s'inscrit dans cet objectif de co-construction. C'est pour ça que cette fois-ci, nous avons choisi de laisser le chat ouvert pour que vous puissiez également échanger entre vous pendant cette webconférence, mais également à sa suite sur le fil de discussion qui sera ouvert sur le site de la NAP. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter les différentes questions qui vont se poser dans la conception de vos projets. Ça peut être des questions relatives à l'accompagnement au changement. On va vous aider à vous donner des repères pour la méthodologie de conduite d'un projet SI pour vous aider à répondre au programme ESMS numérique. Les webconférences, que l'on vous propose sont vraiment là pour vous aider à construire et à mener vos projets en vous faisant bénéficier de retours d'expérience et des outils méthodologiques qui ont pu être bâtis par des experts grâce à ces retours de terrain, et puis en partageant avec vous les questions clés à se poser pour savoir comment répondre au programme ESMS numérique. Par contre, pour toutes les questions relatives vraiment au programme en lui-même, notamment sur les conditions d'éligibilité de financement, nous vous conseillons de vous rapprocher de la CNSA. On vous a indiqué l'adresse mail, la boîte générique de contact ou auprès de votre ARS pour pouvoir poser vos questions sur vos situations particulières pour savoir si vous êtes éligible ou non au programme. Et aujourd'hui, on va vraiment davantage réfléchir sur les outils méthodologiques, sur les questions à se poser en amont et pour préparer sa réponse. Donc, on vous a remis les questions, les emails de référence ici. On vous les rappellera également à la fin et on va essayer de vous les mettre dans le chat pour que vous puissiez
les conserver. Donc, pour le programme, la CNSA avec sa boîte SMS numérique, la CNSA ou votre ARS. Et pour toutes les questions relatives à l'accompagnement au changement, à la méthodologie de conduite du projet et aux éléments qu'on va partager aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter, Benoît, moi ou Swazik. Donc, on a partagé les adresses. Voilà pour cette présentation générale. Donc, notre sommaire aujourd'hui, donc on va avoir un premier temps sur les questions à se poser pour définir son ambition pour le projet. Un deuxième temps avec des clés pour rédiger sa réponse. Et puis enfin, un dernier temps avec une mise en perspective sur la méthodologie de définition de sa feuille de route SI. Et puis, dans un dernier temps, on vous rappellera les ressources que la NAP met à votre disposition. Donc, c'est parti pour le premier temps sur la définition de son ambition. On vous propose de vous représenter les critères de recevabilité et de priorisation qui sont inscrits dans le programme ESMS numérique. Alors, l'objectif, ce n'est pas de pouvoir vous dire si votre projet est éligible, mais c'est surtout pour vous aider à réfléchir à votre niveau de maturité actuel face à votre projet de DEI, et donc de voir l'ambition que vous pouvez vous donner dans le cadre du programme ESMS numérique. La séquence actuelle est une phase d'amorçage, il y aura donc un nombre limité de projets retenus. On parle de 40 à 50 projets, donc environ 800 structures pour cette phase d'amorçage. Mais ce n'est que la phase d'amorçage et il y aura une phase de généralisation derrière. Et donc, il est important de réfléchir dès maintenant, dans tous les cas, sur la marche à atteindre, la réflexion à mener pour pouvoir présenter un projet, que ce soit dans cette phase d'amorçage ou dans la phase ensuite de généralisation. Parce qu'un projet de DEI, on va le voir tout au long de cette webconférence, c'est un projet important qui nécessite une réflexion, un cadrage en amont, et notre objectif, c'est de vous aider dans cette réflexion. Donc, je passe sur les critères d'éligibilité. Donc, c'est le premier point indispensable avant de se lancer. Ah, c'est la slide juste précédente, pardon. Avant de vous lancer, c'est est-ce que votre demande, votre projet concerne le champ personnes âgées et ou le champ des personnes en situation de handicap? C'est la première grande question, c'est le premier grand critère d'éligibilité. L'autre question, est-ce que votre projet concerne la mise en place d'un DEI ou l'évolution d'une solution existante? Pour les projets de montée de version, l'objectif du programme, c'est d'aider des projets de mise en conformité au cadre technique de référence. C'est d'organiser la montée de version du DEI dans cet objectif de réponse au cadre technique de référence et éventuellement pour changer de périmètre de fonctionnement de son DEI. Les deux points qui seront donc pris en compte pour les ESMS médicalisés, ce sera la mise en œuvre de l'interopérabilité du DEI avec des services socles, deux services socles comme la MS Santé ou le dossier médical personnel. Et pour les autres structures, ce sera l'interfaçage à une plateforme régionale de coordination et à la messagerie sécurité de santé. Donc, ayez bien ça à l'esprit. Ce sont les critères d'éligibilité importants à avoir en tête avant de se lancer dans la réponse au programme. Dans tous les cas, les projets devront permettre d'identifier dans cette phase d'amorçage de nouveaux usages et de vérifier l'intégration des services socles dans les projets. Donc, voilà le point important à savoir aussi, c'est que c'est l'un ou l'autre finalement, mais en aucun cas, on peut avoir des projets qui mêlent montée de version et acquisition. Donc, ça, c'est un point qui est rappelé, qui est rappelé dans les instructions. On vous transmettra les références vers l'instruction, vous pourrez vous y référer. Et enfin, le dernier point dans les critères d'éligibilité, respectez-vous le cahier des charges du DEI qui est fourni et qui sera repris dans le système d'acquisition dynamique dans lequel les éditeurs seront référencés. Donc, voilà le grand cadre avec les critères d'éligibilité. Le deuxième point à avoir en tête, ce sont les critères de recevabilité auxquels devront répondre les projets. Quels sont ces critères de recevabilité? C'est le nombre d'utilisateurs de la solution, savoir si vous avez un nombre d'utilisateurs potentiels qui peut être représentatif, la typologie de projet, gros ou moyens OG, et pour les graves, des petites structures. Pour cette question, on vous invite à vous rapporter à l'instruction de référence et à contacter vos ARS ou la CNSA en cas de doute. Le type de public, ce sont des projets TA ou PH, on l'a évoqué. Le nombre de structures concernées. L'objectif,
c'est bien de se dire que le projet, il a vocation à retenir des projets qui seront rapidement opérationnels pour aboutir pendant la durée de la phase d'amorçage, et que pour que les projets puissent aboutir, il y a un enjeu qu'il y ait une équipe projet qui soit suffisamment importante, mature et prête à se lancer. Et le retour d'expérience montre que pour atteindre ce critère d'équipe projet en place, il y a un seuil nécessaire important à atteindre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un critère sur le nombre de structures concernées. C'est se dire qu'il y a un seuil nécessaire pour le pilotage d'un tel projet, et que ce seuil, vous pouvez l'atteindre en rassemblant plusieurs organismes gestionnaires qui vont eux-mêmes porter différents ESMS. Donc, voilà sur ce critère. L'équipe projet, j'en ai parlé. La durée de projet, le planning projet. Donc là, on le rappelle, c'est lié à la phase d'amorçage. Le programme dans cette phase va retenir des projets qui pourront aboutir pendant la phase d'amorçage, et donc il faut que les projets puissent tenir dans cette phase. Et puis deux autres critères qui portent sur la disponibilité de l'application. Donc en fait, ça relève de critères de sécurité. On voit bien que l'actualité est faite de multiples incidents de sécurité ces derniers mois, et qu'il y a un vrai enjeu de cybervigilance, de respect des principes de sécurité, et donc il y aura une attention portée dans les critères de recevabilité à l'existence d'une politique en matière de sécurité. Et enfin, la prise en compte de la confidentialité des données, avec l'existence au sein des organismes gestionnaires et des porteurs de projets de documents sur les règles d'accès et d'usage du système d'information qui démontrent une réflexion sur les règles d'accès, d'utilisation des ressources d'information, pardon, et une démarche de responsabilisation des utilisateurs des systèmes d'information dans leurs usages. Donc, voilà l'ensemble des critères de recevabilité. Il est important de les avoir en tête au moment de se lancer. Enfin, on voulait vous présenter les critères de priorisation qui sont exposés dans l'instruction et qui seront pris en compte pour retenir les projets. Alors, je passe rapidement sur la motivation du porteur, c'est une évidence. Seront également pris en compte le périmètre fonctionnel du projet avec comme appui la cartographie de l'ANA pour laquelle on vous a remis un lien que vous pourrez aller consulter. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des projets qui ont une ambition, qui sont représentatifs de l'ambition du secteur en matière de périmètre fonctionnel de leur projet. Le point de la mutualisation de la solution, je vous le rappelais, c'est lié au seuil nécessaire pour pouvoir porter et piloter un projet de DII. Les autres critères vont porter sur l'interconnexion du système d'information avec son écosystème. Est-ce que le DII est interopérable avec son écosystème, donc avec la plateforme régionale e-parcours potentiellement, avec l'espace numérique de santé? Est-ce qu'il est prévu Est-ce que ces interconnexions sont prévues, sont ciblées? Et puis, toujours en termes d'intégration dans l'écosystème, il y aura des critères qui portent sur l'intégration des nomenclatures de référence. Alors, a priori, il y a eu une petite coupure Internet du côté de chez Marie. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant, ou est-ce que c'est… voilà, d'accord, super, c'est génial. Est-ce que le PowerPoint peut défiler tout doucement? On va poursuivre, voilà. L'idée dans ce slide-là, c'était de bien pointer un petit peu les critères aussi de priorisation. Voilà. Donc, on vous a redonné la cartographie, le périmètre fonctionnel de votre projet. On a parlé de la mutualisation, de l'interopérabilité. Puis après, il y a pas mal d'interconnexions, voilà, entre la plateforme régionale e-parcours, avec l'ENS, avec d'autres plateformes. On voit aussi l'intégration
des nomenclatures, séraphin, pathos ou autres, et qui sont tous ces critères sont au fond vont aider votre ARS et la CNSA pour comment dire, sélectionner un petit peu les projets. Vous avez bien entendu, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'organismes gestionnaires qui ont envie d'y aller. Et donc, au fond, ben, il va falloir faire un peu le tri. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que le Ségur arrive juste derrière. Et donc, même si vous n'êtes pas retenu là pour le mois qui arrive, peut-être que vous pourrez être retenu dans 5-6 mois quand il y aura une nouvelle vague. Marie, je te laisse la main, c'est ça? Oui, toutes mes excuses, j'ai été déconnectée sauvagement. Bah, voilà, c'est exactement ce que disait Benoît. Il y a des critères de priorisation qui ont été partagés. Ils sont à prendre en compte au moment où vous allez concevoir vos projets. Il est également important d'avoir ces critères en compte parce qu'ils vont vous aider à évaluer votre capacité à répondre à ces critères, puisque derrière tous ces critères, il y a des prérequis techniques et organisationnels qu'il faut avoir remplis pour s'y atteler. C'est avoir défini avec ses partenaires l'organisation des échanges de données, c'est s'être interrogé sur ses pratiques d'enregistrement et d'identité-vigilance, etc. Et donc, pour l'ensemble de ces questions d'interconnexion avec l'écosystème notamment, vous avez des réflexions à mener d'un point de vue technique et d'un point de vue organisationnel dans vos organismes gestionnaires et au sein de vos établissements. Et donc, il est nécessaire d'arriver à évaluer votre maturité, votre positionnement vis-à-vis de ces prérequis. Pour aller plus loin dans la compréhension de l'intégration des référentiels et des services socles, on vous oriente vers les webinaires qui ont été mis en place par l'Agence du numérique en santé. Vous aurez le lien dans le support, et ainsi qu'on vous l'a rappelé à la fin. Il y a eu notamment une webconférence, un webinaire hier, et il y en a eu un dans les semaines précédentes. Donc, n'hésitez pas à vous y reporter pour les questions relatives à l'intégration des services socles et des référentiels. Donc, je vais passer la parole à Benoît qui va vous présenter la manière de réfléchir pour préparer sa réponse. Benoît, je crois que ton micro est coupé. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, c'est bon. Il y a pas mal de questions sur le fait, est-ce que je suis éligible? Est-ce que dans mon cas, voilà, j'ai X, SMS, est-ce que je peux y aller ou pas? En fait, sur le fond, cet appel à projet, il est piloté par votre ARS et par la CNSA. Donc, il faut, si vous voulez avoir des réponses sur ces questions-là, il faut aller se poser la question. On vous l'a mis un petit peu, la boîte mail de la CNSA. C'est possible aussi de contacter votre ARS qui a pas mal de réponses. Nous, ANAP, notre but et notre objectif pour cette webconférence, pour le rappeler pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard parce qu'on a eu des soucis de connexion au démarrage pour certains, c'était de vous aider à remplir, voilà, une réponse qui puisse être entendable, entre guillemets, qui soit de qualité. Notre travail, c'est de vous aider à construire vos projets de système d'information. C'est pour ça qu'on va essayer de se dire, OK, on va nous poser cette question, comment on peut y répondre? Voilà. Donc ça, n'hésitez pas à utiliser cette boîte mail de la CNSA et de contacter votre ARS. Déjà, à la webconf précédente, vous nous aviez posé énormément de questions individuelles. Nous, on ne peut pas répondre. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de prendre un petit peu de temps pour voir l'outil PAI numérique, donc c'est-à-dire l'outil que vous allez devoir remplir pour déposer votre dossier. Et puis, au fur et à mesure, de vous guider un petit peu vers des documents qui vous aideront à écrire, en fait, la réponse morceau par morceau. Alors, cet outil PAI numérique, je pense que vos ARS vous l'ont présenté ou vont vous le présenter. En fait, c'est l'endroit où vous allez déposer tout simplement votre dossier. Donc, il y a toute une partie où on va vous poser les questions de critères d'éligibilité, etc. On va se
comment dire, on va vous poser aussi des questions sur votre organisme gestionnaire, comment il est constitué, etc. Et puis, à un moment, il va falloir déposer le dossier en lui-même. Voilà, donc ça va être ça le gros travail. L'outil PAI numérique, on vous en a fait quelques copies d'écran pour que vous soyez un petit peu en avance de phase, adapté aux questions qu'on va vous poser pour que vous puissiez un petit peu les anticiper si vous n'avez pas encore accès à cet outil-là. Donc, le premier élément, voilà, c'est simplement l'entrée dans l'outil. Sachez quand même qu'en bas à droite, vous voyez, il y a un guide d'élaboration du dossier de demande d'aide à l'investissement numérique. C'est un guide, en fait, sur l'outil PAI numérique. Donc, n'hésitez pas à cliquer et télécharger. Le PowerPoint que vous voyez là, vous l'aurez à votre disposition. La vidéo sera aussi en replay pour ceux qui se posent la question. Donc, n'hésitez pas à prendre le PowerPoint. En fait, ça va être un peu un guideline qui va vous aider à aller. Vous aurez plein de liens à cliquer pour aller voir les différents documents qu'on vous propose d'aller voir pour construire votre réponse. Voilà. Alors, la première page que vous allez devoir renseigner, c'est le slide suivant. On est sur la date prévisionnelle du début de projet, date prévisionnelle de fin de paramétrage, date prévisionnelle de fin de projet. Donc, vous sentez déjà que ces trois dates sont importantes parce que ces trois dates, au fond, ça sera les trois dates qui vous permettront de recevoir votre morceau de subvention. Alors, de mémoire, si je ne me trompe pas, le premier morceau, c'est 40% de la subvention. La deuxième partie, c'est 40%. Et puis, la troisième, ça sera 20%. La dernière, c'est sur l'usage, parce que date prévisionnelle de fin de projet, on va regarder si l'usage est bien là et vous serez payé à l'usage. Donc, c'est important que vous puissiez élaborer au fond de manière intelligente aussi sur le plan financier ces trois dates. Ce qui est intéressant aussi à noter là, c'est que ne mettez pas une date prévisionnelle de fin de projet dans 5 ans. En se disant il va falloir qu'on monte l'usage, il va falloir accompagner nos professionnels et donc ça va mettre énormément de temps. Globalement, il faut savoir que le projet d'amorçage, il est là pour 2-3 ans pour pouvoir démarrer. En même temps, le Ségur va démarrer en parallèle dès la fin de l'année. Donc, sur le fond, la CNSA et les ARS cherchent à voir un petit peu si l'amorçage marche. Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que les critères qu'on a pris sont vraiment des véritables leviers pour faire avancer le numérique dans le monde médico-social ? Donc, on vous préconise quand même de mettre une date prévisionnelle de fin de projet plutôt à 1 an, 18 mois. Voilà. Alors, c'est vrai que ça va faire un effort pour accompagner vos professionnels, mais de l'autre côté, c'est aussi une plus de chance d'avoir son dossier de prix. Voilà. Et puis, vous voyez, dès cette première page, on vous pose la question du budget total du projet et du pourcentage de l'aide dans le budget total. Alors, la question, c'est, au fond, je vais recevoir, suivant un petit peu les options que vous allez prendre, 10 000, 20 000 ou 25 000 euros à demander à demander à la CNSA, mais le projet, il ne va pas coûter ça. Prenons l'exemple de l'installation d'un dossier d'usager à 25 000 euros. Vous aurez des difficultés à prendre en compte une bonne formation pour vos professionnels, un bon accompagnement pour vos directeurs de structure, de vous payer aussi un chef de projet pour vous aider à acheter le bon outil, pour bien le paramétrer, puis pour accompagner aussi un petit peu tout le monde. Donc, à 25 000 euros, vous aurez des difficultés à répondre, en fait. Donc, un projet de dossier d'usager, on est plutôt sur quelque chose qui pourrait aller à 40 ou 50 000 euros sans difficulté, en fait, en soi. Si vous prenez en compte, en plus, que vous voulez acheter un petit peu de matériel, que vous voulez faire des formations qui ne sont pas que des formations à l'outil, mais des formations aussi pour revoir un petit peu vos processus, pour revoir un petit peu votre organisation dans les structures, eh bien, tout de suite, ces formations vont mettre un petit peu plus de temps. Voilà. Et donc, tout ça, c'est de l'argent. Donc, c'est important de pouvoir évaluer un budget qui soit bien au-delà de la subvention. La subvention, elle n'a pas vocation à couvrir tous vos besoins. Voilà. Et puis, dans la notion de budget, est tout de suite accroché les moyens humains qui sont affectés.
Voilà. Alors, quel type de professionnel vous allez comment dire, mobiliser? Est-ce que ces professionnels, vous les allez leur demander une demi-journée par semaine, une journée par semaine, pour pouvoir travailler en amont, c'est-à-dire revoir un petit peu qu'est-ce que ça va bouleverser dans la structure, un petit peu ce changement de dossier d'usager? Est-ce que le paramétrage est adapté? Voilà, ce sont ces professionnels, ces référents dans chaque structure qu'il faudra d'une manière ou d'une autre pouvoir valoriser, en plus de la charge du chef de projet qui est plutôt centrale. Sur le portail, comment dire, la page suivante, vous verrez les informations qui sont complémentaires, où vous verrez un petit peu des éléments qui sont un petit peu plus contractuels, un petit peu plus administratifs sur voilà, le numéro FINES, la typologie d'établissement. Vous aurez aussi juste derrière la notion de confidentialité, comment c'est géré. Donc, on vous laisse ce PowerPoint. Vous allez pouvoir vous poser des questions. Chaque question nécessite un temps de travail. Ne sous-estimez pas ce temps-là. Il faut prendre dès maintenant ce PowerPoint et se poser la question qui peut répondre dans l'organisme gestionnaire ou dans les organismes gestionnaires que vous mettez autour de la grappe, dans la grappe, pour pouvoir répondre au fur et à mesure à ces questions, parce que ça a l'air de rien, mais à chaque fois, il y a des questions à se poser. Je vais passer un petit peu plus de temps sur le slide suivant où vous parlez de la motivation du porteur. Alors, le porteur, soit c'est un organisme gestionnaire ou soit c'est un ensemble d'organismes gestionnaires qui prennent la parole. Encore une fois, là, si vous êtes un ensemble d'organismes gestionnaires, il faut prévoir un petit peu de temps pour écrire une motivation commune. Voilà. Et puis, la même chose pour la notion de périmètre fonctionnel, parce qu'en fait, le périmètre fonctionnel peut aussi varier d'un ESMS à l'autre, suivant si vous avez déjà installé ou pas un dossier d'usager. Ces deux éléments sont quand même relativement importants. Ce sont les éléments qui seront d'une manière ou d'une autre lus, c'est-à-dire que tous les autres éléments, les cases à cocher, sont plutôt là pour sélectionner des types de projets, parce que l'ARS et puis la CNSA ont envie de multiplier les types de projets. Donc, ils se répartissent un petit peu, comment dire, par typologie de projet, ils ont une petite idée en tête, même s'il n'y a rien de fixé. Mais par contre, tout de suite, voilà, quand il y a 20 dossiers ou 30 dossiers sur une typologie de projet, ils doivent en prendre que 2 ou 3. Eh bien, en fait, les premières choses qu'ils vont lire, c'est ça. C'est la motivation du porteur, c'est le périmètre fonctionnel et vous allez voir juste derrière, après, c'est votre dossier. Vous voyez aussi qu'il y a des questions sur l'interopérabilité, l'interconnexion. Marie vous en a parlé tout à l'heure. C'est un petit peu tous ces critères que vous allez devoir sélectionner. À vous de bien réfléchir parce que parfois dans votre projet, vous n'aviez pas prévu une interconnexion particulière, mais sachez qu'à chaque fois que vous répondez oui, ben, c'est une chance de plus d'être sélectionné. Voilà. Alors, et puis, dans le transparent suivant, vous allez commencer à attaquer un petit peu des indicateurs. Ces indicateurs, les trois taux qui sont les premiers à présenter, ce sont des critères plutôt métiers. Ce sont en fait des taux qui seront regardés à la sortie du projet. Donc, vous vous souvenez, la date de fin de projet où je vous parlais qu'il y aurait 20% du budget, du moins de la subvention qui vous sera donnée à la fin du projet, ça sera sur ces taux-là que vous voyez en face de vous, les sept indicateurs. Et c'est au fond les taux que les ARS et la CNSA ont sélectionnés en disant on aimerait bien quand même que tout le monde avance sur ces sujets-là. Donc, par exemple, le taux de dossier actif, le taux de dossier actif mais avec un projet personnalisé, le taux de dossier actif ayant au moins un événement. Ça, c'est plutôt pour la partie agenda. Au fond, ces trois indicateurs, ils permettent de se dire, bon, le dossier d'usager, le logiciel qui a été installé, est-ce qu'il est utilisé un minimum? Voilà. Donc,
on serait vous, au fond, on regarderait ces taux tout au long du projet pour savoir s'il progresse bien, faire des efforts de formation et des efforts d'accompagnement aussi sur ces sujets-là, sur voilà, ces deux éléments. Le premier, c'est est-ce que mon projet personnalisé, je le réalise bien dans le logiciel? Et puis le deuxième, c'est est-ce que j'utilise bien mon agenda qui est proposé par mon dossier d'usager, parce que c'est là-dessus que je serai, j'aurai ou j'aurai pas à la fin du projet les 20% de subvention. Et puis, vous savez que l'idée de fond, hein, c'est de ne pas rester sur un dossier d'usager qui reste dans la structure, mais un dossier d'usager qui devient interopérable vers l'extérieur, vers la ville, le monde aussi de hospitalier. Et donc, vous voyez juste derrière la capacité, le nombre de messages que vous aurez utilisé, que vous aurez transmis par MSS, le nombre de documents que vous aurez déposés dans le DMP. Voilà. On voit aussi les éléments sur la e-prescription, sur la plateforme e-parcours de votre région. Donc, tout ça, on sent bien que d'un côté, on vous soutient, la CNSA vous soutient assez fortement sur le plan financier pour pouvoir vous doter dossiers d'usagers de qualité, mais aussi en se disant que l'avenir du numérique, c'est aussi l'interconnexion avec l'extérieur. Et donc, vous les retrouvez dans ces critères d'utilisation et ces critères d'utilisation qui seront qui vous sont demandés au démarrage et qui vous seront demandés à la fin aussi également. Alors, la page suivante, on va attaquer un sujet un petit peu plus complexe qui est le plan de financement prévisionnel. Donc là, vous voyez bien que dans l'outil, on vous demande un peu de précision. On vous demande pas un chiffre global un petit peu fait au doigt mouillé. On vous demande quelque chose de relativement structuré. Voilà. Alors, pour rappel, cet appel à projet, ce n'est pas l'outil PAI, l'appel à projet n'est pas là pour simplement une lettre d'intention. C'est des véritables projets que vous posez ici. Donc, avec un projet, il y a un budget. Voilà, alors vous voyez le coût de l'AMOA. Donc, l'AMOA, c'est soit un chef de projet interne, voilà, ou soit c'est un chef de projet externe, donc c'est-à-dire un consultant. On vous préconise de manière très, très forte que ça ne soit pas votre éditeur. Voilà, c'est important d'avoir un tiers qui vous accompagne, qui défend vos intérêts auprès de l'éditeur, mais qui explique aussi parfois, l'éditeur, il n'explique pas toujours les impacts du paramétrage, des choses comme ça. Et l'AMOA, il est là pour vous traduire en fait les enjeux qui sont derrière ces paramétrages. Voilà. Il y a le coût de la mise en œuvre de la solution, le coût du matériel, le cas échéant, si vous avez besoin de matériel en plus. Alors là, le matériel, vous verrez, on va vous proposer des documents qui vont vous guider un petit peu hein, pour préparer ces quatre gros éléments. Et puis, le dernier, c'est le autre. Alors, bien sûr, dans le sens où on peut mettre du temps humain, on peut mettre du matériel, mais aussi des impacts, par exemple des interfaçages, des choses comme ça. Même si, au fond, la subvention, elle a pour orientation de vous soutenir sur le dossier d'usager, son usage et sur son interopérabilité. Même si ça se trouve, votre projet, c'est aussi l'interconnexion avec votre outil RH ou votre outil finance. C'est important de pouvoir le préciser là. Pourquoi c'est intéressant de vous le préciser? C'est-à-dire, la CNSA et l'ARS trouvent intéressant en soi d'avoir des projets qui sont plus globaux et trouvent aussi intéressant des projets qui sont relativement ambitieux, qui ne s'arrêtent pas simplement aux 25 000 euros qu'on va vous proposer pour de subvention qu'on vous propose, mais de véritablement faire avancer votre système d'information grâce à cette subvention. Voilà. Et de l'autre côté, il y a les recettes.
avec ce que vous demandez, ce que l'ARS peut vous donner, vos fonds propres, l'autofinancement, les emprunts. Il y a d'autres subventions possibles. Et puis, voilà, il y a des différents éléments. Vous avez un infobulle à chaque fois qui va vous redire plus précisément ce que moi, je suis en train de vous dire. Il y a ensuite un dernier élément dans la page suivante, des éléments à joindre à la candidature électronique. Et puis, on va prendre un petit peu de temps sur ce sujet-là. Il y a une note de présentation du projet, il y a un planning du projet et une lettre d'engagement signée. La lettre d'engagement signée, c'est simplement pour se dire d'une manière ou d'une autre que on a vraiment envie de faire le projet que l'on a décrit. Ça paraît un petit peu logique que quand il y a une demande de subvention, de l'autre côté, il y a une lettre d'engagement qu'on va réaliser, au fond, ce projet-là. Donc, on ne va pas y passer beaucoup de temps. Par contre, on va prendre un petit peu sur la note de présentation du projet et puis sur le planning du projet. Sur les différents éléments qui vont vous permettre de, et là je commence à parler de l'anticipation en fait, hein, de votre dépôt, tout le travail que vous allez devoir réaliser en amont. Nous, on estime, voilà, alors peut-être que c'est à voir, mais on estime qu'il y a au moins 4 gros points qu'il faut regarder et qu'il faut travailler en amont. Bien sûr, il y a toutes les cases à cocher que je vous ai dit tout à l'heure qui nécessitent un petit peu de temps. Mais réellement, sur le projet lui-même, il y a un premier élément, c'est d'évaluer ses besoins en moyens humains. Et ça, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours aisé de se dire, mais un projet de cette ampleur, qui je mets autour de la table et quel temps j'estime sur chacun. Donc ça, c'est un travail qui est un petit peu en co-construction à l'intérieur de votre organisme gestionnaire ou dans votre grappe, où il va falloir évaluer un petit peu tout ça. Voilà. Donc, il y a un temps d'aller-retour entre les différentes parties prenantes. On est sur la même situation sur la notion de plan de financement. Voilà. Ce plan de financement, on n'y arrive jamais du premier coup. Par contre, on fait une première pièce à casser, on le voit avec les responsables financiers, avec son DG ou ses DG, voilà, suivant le cas. Et en fait, il y a pas mal d'allers-retours. Là encore, ça demande du temps, donc il faut s'y mettre assez tôt. Et puis, sur le planning du projet, on pourrait se dire que ça va assez vite, mais en réalité, le planning du projet, c'est le moment où toutes les contraintes doivent être prises en place. Et les contraintes qui sont budgétaires, voilà, comment on va étaler le financement qui vient de la CNSA, comment on va aussi planifier notre financement qui nous est propre. Mais aussi dans le planning, on intègre aussi les contraintes humaines. Voilà, c'est le point qui était juste avant, c'est-à-dire qu'on a évalué le besoin pour préparer, par exemple, le paramétrage. Il faut un certain temps de travail, donc on ne peut pas faire le paramétrage en 2 jours. Voilà, il faut des allers-retours, il faut que les professionnels travaillent aussi dans chaque structure pour se dire un petit peu le travail qu'il y a à faire avec leurs collègues. Voilà, il y a un petit peu tout ça. Et puis, il y a un dernier point, c'est rédiger sa note de présentation du projet, parce que en fait, vous allez être noté là-dessus. Parce que avoir un planning bien construit, ça se voit en quelques minutes. Avoir un plan de financement bien construit, ça se voit en quelques minutes, même si vous avez passé du temps là-dessus, comme pour les besoins humains. Mais par contre, la présentation du projet, c'est là qu'il va y avoir en fait la chaleur du projet. C'est-à-dire qu'on va se dire, ce projet, il est intéressant, ce projet, il est bien construit, il est bien piloté, parce que ça a l'air de rien. L'ARS et la CNSA se posent aussi cette question en disant, mais l'argent que je donne, est-ce qu'elle va se traduire par du réel? Donc, en fait, cette note de présentation, elle va être assez importante de bien construire. Alors, je vais revenir un peu sur l'évaluation des besoins en moyens humains. Alors, quelle est l'équipe projet? Quel profil? Comment dimensionner son équipe
c'est évaluer les besoins en MOA. Alors, je retraduis à maîtrise d'ouvrage ou assistance à maîtrise d'ouvrage, donc AMOA, en fait, c'est le chef de projet. On vous déconseille très fortement de ne pas avoir de chef de projet, voilà, qu'il soit interne ou qu'il soit un consultant qui vient vous aider à piloter pendant un an et demi, ce type de projet, c'est vraiment ce qu'on vous conseille sur le fond. Alors, il faut évaluer un petit peu la complexité, parce que si vous êtes un seul OG ou si vous êtes multi-OG, ça a l'air de rien, mais il faut le double de temps pour se coordonner. Si vous avez 15 ESMS ou si vous en avez 50, en fait, vous ne pouvez pas tout à fait mettre le même temps, dans le sens où le chef de projet, il a quand même 4 fois plus de structures à voir, à rencontrer, de directeurs à accompagner. Voilà. C'est important d'avoir un ordre d'idée du temps qu'il faut passer avec chacun. Il y a aussi un deuxième élément qui est la notion d'expertise qu'il faut trouver. On a besoin d'expertise en fait de personnes qui soient très terrain, c'est-à-dire des professionnels qui soient en structure, qui représentent aussi ce type de profession à travers toute votre OG ou vos OG. Il faut aussi des experts qui soient un peu plus pointus et qui sont capables de parler de manière plus générale pour aider à faire le paramétrage, même si vous allez le retravailler avec des professionnels de terrain et qui vont l'amender ou pas. Il faut en fait, au fond, une équipe qui soit un petit peu multiple. D'un côté, avoir des gens très terrain. De l'autre côté, avoir des gens un petit peu plus système d'information. Il faut des gens un petit peu experts des types de structures que vous avez. Donc, en fait, on a pas mal de monde. Voilà. Donc, il faut prendre en compte l'ensemble des agents à mobiliser. Alors, c'est assez simple pour savoir qui est-ce que vous allez mobiliser. Vers un dossier d'usager que vous utilisez dans toutes les structures par tous les professionnels, vous listez un petit peu tous les types de métiers que vous avez. Et l'idéal, ce serait d'avoir un référent dans chaque type. Voilà. Vous avez 15 structures, ça serait intéressant d'avoir un référent dans chaque structure. Voilà. Alors, vous pouvez mixer les deux, c'est-à-dire que vous avez 15 structures, mais en même temps, vous choisissez donc 15 référents, mais chaque référent représente un métier, par exemple. Mais c'est bien une équipe qui va être mobilisée tout au long du projet et relativement beaucoup mobilisé en amont du projet pour préparer l'arrivée du projet, le paramétrage, pour qu'il soit l'outil soit le plus adapté aux professions, et puis qui va être aussi très mobilisé lorsque l'outil va être mis en place, parce qu'on va leur poser des questions très pragmatiques qu'ils avaient oublié de réfléchir en amont. Et puis, il y a une équipe assez restreinte qui sera aussi à mettre autour de la table. C'est-à-dire que quand il y aura une problématique qui dépassera une structure, mais une problématique qu'il faudra résoudre pour l'ensemble de l'organisme gestionnaire ou pour l'ensemble des organismes gestionnaires, il faudra mobiliser ces experts d'une manière ou d'une autre, trancher. Alors, trancher, ce n'est pas obligatoirement les experts qui tranchent. Les experts, ils proposent aux directions générales un peu une approche. Voilà, on pourrait faire de ce type-là. Mais au fond, ces experts, ils devront travailler un petit peu sur des cas un petit peu plus spécifiques. Donc, n'hésitez pas à prendre du temps aussi pour ces temps d'experts. Le deuxième élément qui est construire le plan de financement, il faut au fond, essayez de bien décrire les grandes phases du projet. Vous aurez assez rapidement une vision de ces grandes étapes. Souvenez-vous que la NAP va sortir dans 8-15 jours un document de méthode sur comment déployer un dossier d'usager ou comment mettre à niveau son dossier d'usager. Donc là, vous pouvez reprendre un petit peu les différentes étapes, ça peut vous guider. Il faut évaluer, lister les coûts un peu par phase, évaluer aussi les montants qui sont associés
à chaque coup et essayer de les répartir dans le temps. C'est un petit peu comme ça que vous saurez, vous pourrez répondre à votre responsable financier comment il va falloir un peu étaler l'ensemble des finances du projet, comment il va falloir aussi mettre les dates pour la demande de subvention pour pouvoir équilibrer tout ça. On a deux documents qui peuvent vous aider à construire toute cette partie plan de financement. Il y a un premier document, c'est élaborer le budget d'un projet d'informatisation. Et puis, on a été même un peu plus loin, on vous a proposé un budget type. Donc, c'est un fichier Excel que vous pouvez remplir. Alors, vous allez voir, c'est assez coriace, mais au fond, vous n'êtes pas obligé de remplir toutes les cases. Hein. Ce n'est pas obligatoirement ça l'idée de fond. L'idée, c'est de vous poser les bonnes questions. Et en lisant le fichier Excel et ce guide méthodologique, ça vous permet de vous dire est-ce que j'ai bien posé toutes ces questions. Donc, entre le kit déploiement du dossier d'usager informatisé et ces deux documents, comment élaborer le budget, normalement, avec ces trois documents, vous devez réussir à peu de choses près à faire un plan de financement qui vous va. Après, à vous de voir ce que vous voulez déposer auprès de la CNSA, voilà, et de votre ARS. On vous a remis un document sur le sommaire du document élaborer le budget d'un projet d'informatisation. Ça vous permet de vous structurer dans votre pensée au fur et à mesure. Voilà. Donc, pourquoi établir en amont un budget, les différentes natures de coûts, on vous les décrit, quels sont les mécanismes budgétaires qui sont derrière un petit peu chaque coût. On vous propose une méthode pour l'élaborer et puis un petit peu d'y aller par phase. Voilà. Donc, il y a la notion de coût d'investissement et coût d'exploitation. C'est important de pouvoir distinguer un petit peu ces différents coûts. Et puis, ça vous permettra d'élaborer en fait ce que vous déposerez auprès de la CNSA et de l'ARS. Là, on vous a décrit un petit peu tous les éléments que l'on a. C'est une bonne pratique au fond. Voilà. Pour résumer, voilà tous les éléments que l'on trouve habituellement dans un plan de financement d'un projet d'informatisation. Donc, je ne vais pas obligatoirement rentrer dans le détail, mais ça vous aide hein, d'une manière ou d'une autre. On sépare bien à gauche les coûts de réalisation et à droite les coûts d'exploitation. On détaille aussi la notion de préparation, donc c'est toute la conception et le développement du projet. Et puis, on sépare la notion de coût d'acquisition. Et puis, parfois, vous avez besoin de mettre à niveau votre infrastructure et donc, on vous propose d'analyser cette partie-là avec le coût associé d'acquisition d'un côté d'infrastructure et de l'autre côté de matériel. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail parce que vous voyez sur les coûts, il y a 9 postes. Sur les coûts de réalisation, il y a 9 postes. Il y en a 4 autres côté exploitation. N'hésitez pas à vous faire aider par votre responsable financier. Lui, il connaît tout ça. Voilà. Vous connaissez sûrement un peu plus les SI, si je ne me trompe pas. Si vous êtes responsable SI, si vous êtes directeur de SMS ou directeur d'organisme gestionnaire, normalement, tous ces éléments, vous les connaissez un peu. Par contre, vous aurez peut-être besoin de connaître des éléments précis parce que côté SI, vous en avez un peu moins l'habitude. Voilà. Pour construire son planning projet, il existe, alors j'anticipe un tout petit peu, le planning des étapes, je serai vous, je reprendrai à peu de choses près celle qui vous est proposée dans le kit de déploiement dossier d'usager. Voilà. Il y a différents documents. Utilisez vos méthodes habituelles. Ça, il n'y a pas. Si vous êtes à l'aise avec ces phasages de projet, il n'y a aucun problème en soi.
Voilà. Et par contre, c'est important de bien distinguer d'un côté le planning des grandes étapes et de l'autre côté de prévoir des jalons. Ces jalons, c'est ces jalons-là qu'on vous demandera principalement dans votre dépôt de dossier, dans le dossier que vous allez déposer. On vous en présente quelques-uns. La validation de la composition de l'équipe, la validation du cahier des charges, la sélection de l'outil, la validation du plan de déploiement, la validation de la généralisation du déploiement et puis la notification de fin de déploiement. C'est le minimum que, à mon avis, à notre avis, voilà, parce que tous ces documents ont été écrits par plusieurs experts, ont été validés par presque une trentaine d'experts du monde médico-social et de la santé et aussi des systèmes d'information. Donc, il faut au minimum pouvoir retrouver ces jalons. Parce que ces jalons, la CNSA et les ARS ont l'habitude aussi d'entendre ces mots-là. Peut-être que c'est un petit peu décalé avec vos méthodes habituelles. N'hésitez pas à faire un petit peu un parallèle. Un planning projet, je vais passer à la suite. Un petit temps sur la rédaction de sa note de présentation. Alors, c'est un exercice qui n'est pas toujours aisé. On vous propose un document, de partir d'un document qui s'appelle le note de cadrage simplifié, qui reprend tous les éléments d'un bon projet système d'information. Cette note de cadrage, vous n'êtes pas obligé de la déposer telle quelle dans l'outil PAI, hein, vous pouvez faire votre sauce. Par contre, ce qui est intéressant avec cette note de cadrage, c'est qu'elle pointe tous les sujets qui sont attendus habituellement pour un décideur, qu'il soit financier ou stratégique, hein, même si vous êtes responsable SI, votre DG attend de vous au fond régulièrement pour chaque projet un peu cette note de cadrage avec tous ces sujets. Ce qui est très important pour ceux qui ont pas l'habitude de rédiger des appels à projets, c'est d'être concis, d'avoir un français simple mais précis. Voilà. Inutile de faire des grandes phrases, inutile de rentrer dans le détail informatique ou des systèmes d'information. Il faut des objectifs, clairs, atteignables, qu'on peut pratiquement palper. Voilà, c'est-à-dire qu'on puisse à la limite avoir un indicateur qui soit posé dans l'objectif. C'est important de bien repenser au lecteur, c'est-à-dire que vous ne faites pas cette note de cadrage pour vous, vous la faites pour celui qui va le lire. Celui qui va le lire, c'est celui qui a regardé tous les critères de priorisation qu'on vous a présentés au démarrage. Donc, n'oubliez pas d'aborder aussi ces critères de priorisation un petit peu d'une manière ou d'une autre dans ce document. C'est important aussi que votre projet qui soit déposé, il ait du sens. Il ait du sens pour votre organisme gestionnaire, qu'il ait du sens pour l'ARS, qui a une recherche permanente, au fond, d'avoir des structures qui avancent, des structures qui répondent aux besoins des usagers. C'est important aussi que si vous pouvez mettre pointé du doigt ce que vous pourrez apporter à l'usager, aux professionnels, aussi au directeur de structure, c'est un petit peu tout ça. C'est important aussi de pointer du doigt un petit peu la notion de conformité de votre solution de dossier d'usager vers ce qui arrive. Voilà, vous avez eu une webconférence par l'ANS et puis nous, on a essayé de vous présenter des choses assez globales la semaine dernière. Ces perspectives-là, il faut que vous puissiez faire ressentir en fait au lecteur que vous y allez. Et c'est aussi ça qui est important. Dans la page suivante, on vous présente en gros les gros sujets. Voilà. Vous n'avez pas besoin de faire 200 pages sur chaque sujet. Une petite dizaine de lignes sur le contexte, sur le projet, comment il s'inscrit dans le contexte, comment il s'inscrit dans le monde médico-social, comment il s'inscrit dans les changements SI qui sont à venir.
Après, vous êtes la partie organisation du projet est là pour rassurer le lecteur. Vous allez partir vers un projet qui est bien structuré, qui a un budget qui est comment dire, qui a du sens, qui est réel. Ça sera piloté par des gens qui sont avec des compétences. Il y a, pour garantir la mise en œuvre, il y a un comité de pilotage. Ce comité de pilotage, comment il est structuré. Voilà. Donc, cette partie organisation du projet, elle a une tendance à rassurer la personne. Là, le premier point, elle est plutôt là pour donner de la chaleur, du sens et de se dire, oui, on va bien au bon endroit, ça sera utile pour... moi, structure, mais ça sera utile pour mon OG, mais ça sera utile pour l'ensemble de la santé au fond de mon territoire ou de l'ensemble de la santé au sens général. Et après, sur les points 3, on est plutôt sur les livrables et les jalons, c'est-à-dire au fond, est-ce que vous avez bien réfléchi la mise en œuvre? Est-ce que c'est censé? Là, encore une fois, quelqu'un d'averti, avec un seul planning, il met 3 à 4 minutes pour savoir si le projet il est bien construit ou pas, suivant les phases, leur longueur, les jalons qui sont associés aux phases, il voit très, très vite si ça a été bien réfléchi. Et puis, pas besoin d'en faire des tonnes, hein. Il suffit d'un seul planning, mais super bien réfléchi. Voilà. Et puis après, la gestion de la documentation, c'est un petit peu de savoir si la méthode projet, elle est bien posée derrière tout ça et qu'il y a des bonnes méthodes qui sont associées. Un tout petit mot sur la notion de construire une réponse mutualisée. Ça va obligatoirement créer un petit peu de difficultés. Les difficultés, elles ne sont pas que trouver des copains pour pouvoir atteindre les 15 SMS. C'est aussi dans la gouvernance. Voilà. On vous avait conseillé la semaine dernière de faire les choses de manière très simple, c'est-à-dire plutôt du conventionnement plutôt que des conventionnements entre vous. Par contre, on pointe quand même que c'est très important que le comité stratégique, le comité opérationnel, comité stratégique c'est plutôt les DG, le comité opérationnel c'est plutôt les référents, les référents métiers, le chef de projet, pourquoi pas un responsable informatique, voilà, dedans, je vous le décris rapidement, mais c'est un petit peu tout ce que vous devrez décrire. Se voit le comité stratégique et le comité opérationnel se voit très régulièrement pour vous assurer qu'au fond, tout le monde est bien d'accord vers où on va. Tous les DG ont besoin d'une manière ou d'une autre d'être rassurés que c'est bien piloté, ont besoin aussi de se dire qu'est-ce que ça va impacter dans mon organisme gestionnaire, de pouvoir limiter aussi l'impact de l'arrivée du logiciel ou de sa montée de gestion. C'est normal, c'est son métier. Et donc, c'est important que le directeur d'OG il puisse bien piloter et que le comité opérationnel soit là pour préparer des propositions qui soient réelles et concrètes et régulières. Donc, créer une bonne équipe, bien structurée, bien répartie, c'est très important. C'est important aussi, et là, on va tout doucement insister sur un point qui est important, le fait d'avoir une vision commune. Toute cette équipe, qu'elle soit le COSTRAT, le COMOP, que ce soit les référents métiers que l'on parlait tout à l'heure, qui sont un peu dans toutes les structures, ou qui soient de tous les métiers, ont besoin d'avoir une vision commune. Et ça, ce travail de vision commune, on va essayer de prendre un petit peu de temps après les questions-réponses. C'est vrai que je passe un peu vite les slides suivantes, mais c'est important de bien trouver cette vision commune. Et puis, c'est Marie et Nadège qui vont insister un petit peu pour comment décrire une vision, comment se faire une vision. Voilà. Quelle méthode on peut mettre pour trouver une vision commune. Et ça, d'une manière ou d'une autre, il va falloir pouvoir le mettre dans ce qu'on parlait tout à l'heure de la note de cadrage, dans votre dépôt de dossier, il va falloir faire ressentir que vous avez une vision commune.
Et je reboucle sur ce que vous, l'un des premières cases qui sera compliqué, c'est la motivation du porteur du projet et la synthèse du projet. C'est là que vous montrerez que vous avez une vision commune. Je vais passer assez rapidement, les deux points suivants pour prendre un petit peu, le slide suivant, les quelques points à retenir. Pensez le long terme, définissez une feuille de route relativement longue, montez les marches une par une, phasez votre projet dans le temps, identifiez les partenaires, bien travaillez avec eux, et surtout se définir une ambition commune, parce qu'en fait, tous ces travaux sur le budget, sur le planning, sur quelles sont notre vision commune, les documents que vous allez déposer, chaque fois, ça sera d'une manière ou d'une autre, une manière de travailler ensemble, et cette manière de travailler ensemble, vous la retrouverez dans le projet de mise en place du dossier d'usager derrière. Donc, il y aura obligatoirement des écueils, des gens qui ne seront pas d'accord, etc. Mais ce n'est pas grave, c'est la phase où il faut écouter, apprendre à travailler ensemble, et c'est la phase où on pose la confiance entre les différentes parties prenantes du projet. Alors, je vais essayer de répondre à des questions avant de se lancer sur la feuille de route ici, qui est beaucoup plus sur la notion de vision. Allez-y, merci, dites-moi. Benoît. Alors, quelques retours, notamment sur la complexité que ça peut, tout ce processus peut donner l'impression, notamment pour des petits OG. Je pense que ça reboucle en partie sur ce qu'on indiquait et l'enjeu de préparer, dans tous les cas, la phase de généralisation peut-être. Mais en fait, c'est là un petit peu, on a choisi volontairement de vous faire une web conférence sur comment se préparer en fait. Vous vous rendez bien compte que ce travail, soit vous l'avez déjà entamé en fait, et donc vous allez formaliser, structurer pas mal de choses que vous avez déjà en poche. Il y a peut-être des éléments qui vous manquent, voilà, peut-être il y a des sujets que vous n'aurez pas tout à fait abordés. Mais d'une manière ou d'une autre, nous, notre regard à la NAP, c'est qu'on va vers le numérique qui rentre doucement, progressivement, de plus en plus dans le monde médico-social. Et donc, on n'est pas là pour le mois prochain. On est là dans un travail de moyen et de long terme. À peu de choses près, tous les 6 mois, 1 an, il y aura une proposition de votre ARS pour répondre à des appels à projets. Tous les 6 mois, 1 an, vous aurez la possibilité de demander une subvention pour le numérique de vos structures. Et tout ça, ça ne sera pas du one shot à chaque fois en disant je m'y mets, c'est dans 3 semaines. En fait, à chaque fois, on vous posera des questions qui vous demandent 2-3 mois de travail. Alors, soit vous avez tous ces éléments, vous avez travaillé sur des schémas directeurs, sur des choses comme ça, vous avez déjà réfléchi à tout ça. Et donc, à partir de là, vous pourrez déposer un dossier la semaine prochaine. Ça ne sera pas si compliqué que ça. Mais d'une manière ou d'une autre, si vous n'avez pas entamé du tout toutes ces réflexions-là, ce qu'on voulait vous montrer un petit peu, c'est qu'en fait, ça va être compliqué de répondre la semaine prochaine. Vous pouvez essayer. Ça vaut le coup de réfléchir avec vos partenaires. Ça vaut le coup de se poser la question si vous n'avez quand même pas une vision commune du sujet. Mais ça vaut le coup aussi de se dire, ben, on va faire un petit projet, là, on va déposer pour un petit morceau. Et puis, par contre, on se prépare vraiment pour l'appel à projet qui sera proposé à la fin de l'année 2021, avec des fonds qui seront beaucoup plus importants, il y aura beaucoup plus de projets subventionnés, et là, vous serez vraiment prêt. C'est important de bien comprendre qu'en fait, les systèmes d'information, c'est une nouvelle discipline qui arrive dans le monde du médico-social. Et donc, ça veut dire tout simplement que cette discipline, eh ben, elle ne s'acquiert pas en une journée. Une autre question sur la manière d'estimer ses coûts dans son plan de financement, notamment quand on n'a pas encore de solution ou qu'on n'a pas encore les éléments sur le dimensionnement.
Comment réfléchir à cette estimation des coûts? Ah, c'est quelque chose de très complexe de premier abord, en fait, hein, parce qu'il y a plein de lignes. Voilà. Ce que nous, on peut vous conseiller, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous avez dû déjà prendre contact avec des éditeurs. Les éditeurs ont dû vous proposer, en fait, un coût d'acquisition d'une manière ou d'une autre et un coût d'accompagnement. C'est-à-dire, l'accompagnement, c'est plutôt l'accompagnement à l'outil. La formation à l'outil, voilà. Il y a des ordres d'idées qu'on peut garder un peu en tête, c'est-à-dire qu'entre le coût de l'outil et le coût de l'accompagnement, alors pas que du logiciel, mais de la formation au sens général que vous aurez auprès de vos professionnels, on a autant de coûts d'un côté comme de l'autre. Voilà. Si votre éditeur vous propose 15 000 euros, ça veut dire que en gros, il faut estimer à 15 000 euros d'accompagnement et de formation qui sont à côté. Ça, c'est un premier ordre d'idée. Vous dire aussi qu'un chef de projet, vous pouvez, si vous prenez un chef de projet pour 15 structures, vous serez vraiment bien accompagné. Un chef de projet, il peut faire au grand maximum 40 structures. Voilà. Donc ça vous donne un ordre d'idée. Un chef de projet, il faut, comment dire, vous connaissez un petit peu les coûts, vous divisez un petit peu et puis vous trouvez assez vite ce type de coûts. C'est difficile de vous répondre de manière précise dans le sens où simplement vos structures sont éparpillées sur le plan géographique, ça coûte plus cher que si elles sont sur le même territoire. Si vous avez déjà un dossier d'usager et que vous demandez une montée de version, comment dire, une montée de version, oui, il y a un coût pour l'éditeur, mais lui, il va déclencher en fait une interface supplémentaire. Mais de l'autre côté, ça va être le coût d'accompagnement qui va être plus cher. Il faut accompagner vos professionnels. Dans le monde médico-social, on ne les accompagne pas assez. Est-ce que, voilà, y avait-il d'autres questions? Une autre question peut-être avant de passer à la suite. Vous voyez que les questions sont nombreuses, donc on en prend seulement un petit nombre, mais les échanges se poursuivront en marge de la webconférence. Peut-être comment estimer les cibles pour les indicateurs d'usage sur le nombre de DMP, le nombre de messages échangés. Quelles questions se poser pour définir ces indicateurs? En fait, ce qui va vous aider un petit peu assez rapidement, c'est que pour le DMP, par exemple, qui a le droit de voir le DMP? Alors, on est plutôt sur le médecin. Bientôt, il y aura un peu plus de monde qui pourra voir comment dire, ce qu'il y a dans le DMP. Voilà. On aura des cadres de soins qui pourront voir. Donc, il faut voir à quel moment ces cadres-là pourront comment dire, accéder. Au DMP, ça vous donnera un ordre d'idée dans votre OG ou dans vos OG le nombre de professionnels. Voilà. Et après, de leur poser la question, mais combien de fois vous iriez? Et c'est comme ça que vous pourrez avoir un ordre d'idée. Côté messagerie sécurisée de santé, vous avez peut-être un autre indicateur, c'est que la MSS. C'est un peu votre messagerie déjà que vous avez installée pour vos professionnels. Ils échangent combien de messages entre eux et combien de messages va à l'extérieur, vers d'autres structures, vers les hôpitaux, vers les autres ESMS, vers la ville. Et là, vous aurez un ordre d'idée au fond de ces messages-là qui vont demain devront tous passer par la MSS. Donc là, ça vous donnera un ordre d'idée du volume de messagerie. Comment dire, de messages que vous pourrez avoir. Je réponds de manière très pragmatique, mais je suis sûr que vous posez la question à quelqu'un d'autre, il vous répondra autrement. Ça veut dire que il faut d'une manière ou d'une autre travailler avec ces référents systèmes d'information. Ils peuvent avoir des idées. Il faut que vous vous construisiez votre propre objectif, parce que si c'est pas vous qui le construisiez, eh ben vous arriverez pas à l'atteindre. Voilà. Donc il faut vous le construire.
Je propose de passer la parole à Nadège pour avoir un focus sur la définition de sa feuille de route SI. Comme vous le voyez, notre enjeu, c'est bien de vous accompagner dans la durée et au-delà même du programme SMS numérique et de vous donner des clés pour réfléchir plus généralement à votre stratégie numérique et à la manière de prendre ce virage numérique. On a vu quelques messages dans le chat sur cette question. Et donc, c'est pour ça qu'il nous semblait important de vous partager ces éléments de méthodologie de définition d'une feuille de route SI, puisque cela reste un préalable, un prérequis, et ça vous permettra probablement à vous aider à vous positionner sur l'appel à projet. Nadège, je vous laisse la parole. Oui, merci. Donc, effectivement, je rebondis sur ces derniers propos, le plan SMS numérique. Déjà, il n'y a pas que la phase d'amorçage, il faut bien intégrer qu'il va se dérouler, il va être mis en œuvre sur plusieurs années. Et donc, c'est quand même un réel levier, à minima financier, pour augmenter l'équipement du secteur, et donc avec un effort qui est ciblé dans le cadre de ce plan SMS numérique sur le dossier usager. Pour autant, effectivement, l'objectif, il n'est pas seulement d'équiper le secteur, mais bien que ces solutions et que le numérique soient utilisés et utiles dans nos organisations. C'est pourquoi on voulait aujourd'hui vous présenter un peu plus comment il nous semble important de travailler sa feuille de route. On a préféré utiliser le terme feuille de route plutôt que schéma directeur des systèmes d'information. En fait, ce dont on traite, c'est bien de la stratégie des systèmes d'information. Et donc l'exposé qui va suivre vise à proposer un schéma pour définir et mettre en œuvre une feuille de route. Voilà, donc en fait, on va vous présenter de manière assez classique, et ce schéma-là, ce n'est pas seulement pour la feuille de route, hein. C'est également pour tout projet. Une première qui peut se mettre en œuvre en quatre temps. Un premier temps sur l'organisation du pilotage du projet, qui passera ensuite par une phase de diagnostic, de la définition d'une cible et d'une trajectoire. Ces quatre étapes peuvent aussi s'appliquer, on essaiera de s'y attacher dans l'exposé qui suivent, aussi au projet de dossier informatisé d'usager. Ça peut passer, voilà. Alors, dans tout projet, effectivement, il est important de l'organiser, de le structurer, de définir quels sont les objectifs et les attendus. Également de réfléchir aux instances qui vont contribuer au projet, donc une instance de pilotage, une instance de direction, s'il doit y avoir des arbitrages, et puis quelle est l'équipe projet qui va être sur une manière opérationnelle, qui va le mettre en œuvre. Voilà. Tout projet de transformation numérique, c'est un projet stratégique, et d'autant plus sur la feuille de route, dans le cadre de la feuille de route, une feuille de route SI, les instances de gouvernance doivent être associées à cette réflexion. Donc, ça peut être selon les organismes, ça peut être la direction d'établissement, mais plus haut, une direction générale, des directions centrales, ou voire un conseil d'administration. Voilà. Ensuite, voilà, la première chose qu'on va l'une des étapes qui sera importante, ça sera également l'analyse de l'existant qu'on développera dans l'étape 2, qui est le diagnostic. Alors, quel que soit le projet qu'on met en œuvre, le projet SI, que ce soit un projet ou une feuille de route, l'outil doit venir servir des usages. C'est pour ça que ça ne peut pas être pensé uniquement comme un projet qui soit piloté que d'un point de vue technique par une DSI ou par le service informatique. L'importance des métiers est primordiale. Ils doivent être complètes, doivent contribuer produire et à proposer, à construire le projet et la feuille de route. L'objectif, c'est bien que de définir dans le cadre d'une feuille de route une trajectoire partagée, voire que, et idéalement qu'elle soit également alignée sur la stratégie de l'association d'établissement. C'est pour ça que l'importance d'avoir des instances de gouvernance, que ce soit la direction d'établissement, le conseil d'administration ou simplement la direction générale, est incontournable. Et puis tous les métiers supports sont également concernés sur une feuille de route.
Ça concerne pas seulement les métiers, enfin les métiers au sens production, ça concerne aussi la direction des ressources humaines, la direction de la qualité ou les directions financières. Là, sur cette slide, il nous semblait important, dans le cadre notamment du plan SMS numérique, de prendre en compte certaines spécificités, puisque effectivement, dans le cadre de l'appel à projet, les appels à projet se mettent en œuvre par région, par les ARS. Donc, il faut bien identifier les zones géographiques de déploiement des DIU, les typologies de structures qui sont concernées, puisque selon les typologies de structures, on peut avoir des réponses ou des solutions logicielles qui sont plus ou moins pertinentes. Donc, il faut se questionner par rapport aux objectifs communs du projet DUI. Est-ce qu'il serait intéressant, par exemple, de plutôt se positionner sur un périmètre qui concerne seulement un certain type d'activité plutôt qu'un autre? La typologie des professionnels également, s'il y a beaucoup, enfin, selon la maturité, selon l'aisance que peuvent avoir les professionnels aussi avec les outils numériques, les moyens à développer ou à mettre en œuvre ne seront pas toujours les mêmes. Et puis, quelles sont les priorités également dans chacun de ces types de structures? L'enjeu, c'est quelque part de trouver une convergence sur ces différents sujets qui intègrent ces différentes dimensions pour pouvoir atteindre les prérequis qui sont attendus dans la réponse à l'appel à projet. Voilà. Donc, une fois que l'organisation, enfin que le cadrage quelque part, la première phase est de cadrer finalement le projet, son périmètre, on va parler d'un diagnostic, commencer par faire un état des lieux, parce que pour savoir où est-ce qu'on va, il faut d'abord savoir d'où on vient. Dans le cadre du diagnostic, mais également dans le cadre de tout déploiement d'un outil de système d'information, il ne faut pas réduire le projet ou le diagnostic simplement aux outils. Voilà. Aujourd'hui, le système d'information, il est beaucoup plus large que simplement les solutions informatiques et même que le numérique, puisque les usages numériques ils sont beaucoup plus importants. Aujourd'hui, les usages numériques sont beaucoup plus développés, finalement, y compris dans la sphère publique, dans la sphère privée, pardon. Du coup, c'est vrai qu'on tient à vous alerter de surtout prendre le système d'information dans sa globalité. On traite de l'information, quel que soit le support, qu'il soit informatique, numérique, ou papier. Et c'est finalement dans cette dimension-là qu'il faut aborder un projet par l'information, le flux d'information, comment l'information elle est produite, comment elle transite, comment elle est véhiculée, comment on la rend accessible. Voilà. Et l'informatique ne reste qu'un outil qui doit servir un système d'information. C'est souvent des choses qu'on oublie, mais dans un système d'information, les procédures, les processus, tout ce qu'on met en place, est aussi important que l'outil en lui-même. Alors souvent, on met aussi en perspective plusieurs dimensions dans le système d'information. Moi, j'en rajouterais peut-être même une quatrième. Mais effectivement, on a une dimension technologique qui peut être la solution logicielle, le progiciel, l'informatique, qui est l'outil qui va servir de support au système d'information, même si l'outil technologique n'est pas le seul. On a une dimension informationnelle également. Aujourd'hui, selon l'intervenant dans le process, il n'aura pas la même vision ou le même accès au système d'information. Donc, effectivement, on va pouvoir adapter le système d'information pour avoir une représentation ou un usage qui soit adapté aux différents intervenants. La dimension organisationnelle, c'est comment on organise vraiment le flux d'informations, qui intervient, qui fait quoi, comment, avec quel support. Donc, c'est un projet système d'information doit intégrer l'ensemble de ces dimensions.
Et moi, je rajouterais même qu'il doit aussi intégrer une dimension managériale quand on est en phase de mise en œuvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de définir le processus, de définir l'outil, le bon support. Il faut aussi manager l'utilisation et le déploiement. Donc, tant qu'on ne dit pas aux professionnels, maintenant, vous faites comme ça, on peut mettre en place des outils, définir des procédures. Pour autant, l'outil ne sera pas utilisé. Donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer dans un projet de système d'information l'implication de tous les acteurs et surtout des acteurs qui sont des acteurs de terrain, des managers de proximité. Donc, dans un projet DUI, dès le début, il faut que l'ensemble des cadres intermédiaires soient associés à la fois dans la réflexion, dans la projection, puisque c'est eux qui seront les premiers à pousser, les premiers promoteurs du projet, ce seront eux, au final, sur le terrain. Voilà, donc quelques questions types hein, qu'on peut se poser quand on fait le diagnostic du système d'information au moment de partir. Quelle est la cartographie fonctionnelle applicative existante avec laquelle notre solution va devoir s'articuler? Donc ça, on fera un petit focus après sur ce point-là. Quels sont les freins potentiels et les leviers mobilisables? Donc, les freins, ça va être les réticences à l'outil informatique, déjà à la base. Comment est-ce qu'on peut promouvoir les usages numériques pour que ce ne soit pas quelque chose qui paraisse à la fois inatteignable à nos professionnels sur le terrain et qui soit vraiment pleinement utilisé au final à tous les niveaux de quelque part de l'organisation? Quels sont les usages informatiques existants à la maturité dans votre organisation? Comment le projet DIU va impacter le process métier existant? Forcément, tout projet d'informatisation, et encore plus un projet de type dossier usager, impacte la façon de travailler dans nos métiers. Elle interroge beaucoup. Donc, il y a des impacts sur les process, il y a des impacts sur les pratiques surtout, qu'il va falloir adresser souvent du mieux qu'on peut. Et souvent, on n'anticipe pas tous ces impacts-là. Il va falloir anticiper ce qu'on peut et puis après traiter au fur et à mesure du déploiement. Identifier les compétences et les ressources SI mobilisables. Hein. Les compétences, elles sont de différents ordres. Elles sont avant tout métiers pour avoir une bonne connaissance des pratiques qui sont parfois donc procédurées, qui vont devoir être organisées, puisqu'en fait, la mise en place d'un dossier informatisé d'usager, forcément, ça va remettre à plat les modes de fonctionnement. Des compétences techniques pour la mise en œuvre des solutions et des outils, et des compétences également pédagogiques pour accompagner les usages sur le terrain. Ce sont, voilà, donc si dès le début, on peut d'ores et déjà commencer à référencer, identifier quelles sont les compétences qu'on peut mobiliser, c'est déjà du temps qui sera gagné sur la suite pour la mise en œuvre. Et enfin, le socle technique. On en parlera un petit peu plus loin. Je ne vais peut-être pas trop m'appesantir sur ce sujet-là, mais c'est important aussi d'en faire un diagnostic avant de lancer le DIU. Donc, un petit focus sur la partie cartographie fonctionnelle et applicative existante. L'outil de dossier informatisé d'usager, même si c'est le cœur de métier dans nos organisations, il va devoir communiquer ou s'articuler ou fonctionner avec d'autres solutions qui existent. Donc, ça peut être des outils de facturation, des outils de gestion logistique, que ce soit la gestion des repas, la gestion de l'hébergement, par exemple. Et puis, des éléments qui sont également plus techniques dans nos organisations. C'est ce qu'on appelle là les référentiels ici, mais ce sont les annuaires des intervenants, des professionnels, par exemple, ou des utilisateurs du système d'information. L'important, c'est de bien identifier quelle est, dans le cadre de ce projet, quelles seront aussi les interfaces, tout d'abord au sein du système d'information de l'établissement ou de l'association ou de l'organisation. Alors, concernant les usages informatiques existants et la maturité des ESMS, on entend souvent quand même que le médico-social n'est pas très mature en matière de numérique ou de système d'information. C'est vrai que souvent,
dans le cadre d'un projet d'informatisation. C'est un vrai frein où les professionnels, l'outil informatique fait peur. Et du coup, c'est vrai qu'il faut arriver à faire dépasser ces craintes, le fait que voilà, je ne vais pas y arriver parce que c'est un outil informatique. C'est des choses qu'il faut arriver à dépasser. Pour autant, le numérique existe et les usages numériques existent. Et je pense qu'il faut absolument s'appuyer, identifier ces éléments pour pouvoir capitaliser et démontrer que oui, si c'est possible d'utiliser le numérique dans nos pratiques. Ensuite, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que l'outil ne résout pas les problèmes d'organisation. Ça peut les aider, ça peut permettre d'apporter des solutions, mais ça ne fait pas tout. Donc, voilà, il ne faut pas attendre non plus de ce dossier informatisé de l'usager qu'il résolve des problèmes organisationnels qui se posent. Et il y aura des réflexions à conduire autour de l'outil, notamment sur le partage de l'information, sur qu'est-ce qu'on met sur les écrits, sur la façon d'écrire les choses dans un dossier. Ce n'est pas en lien avec spécialement avec l'informatisation. Ces questions existent déjà dans nos organisations, mais l'informatisation va remettre un focus sur ces questions-là et il est important de s'y préparer. L'infrastructure, alors on connaît beaucoup, si vous êtes là, connaissent la maison de Dominique Pont. J'aime bien représenter un système d'information par une maison, où effectivement les fondations de la maison, c'est la technique, c'est l'infrastructure. Et pour construire une maison qui tienne debout, il faut que les fondations soient stables. Donc effectivement, il va falloir prendre en compte dans le diagnostic les éléments d'infrastructure, hein, les serveurs, le stockage, quel est l'environnement, comment ça fonctionne. Voilà. Et puis, savoir aussi peut-être anticiper sur des évolutions. Sur le réseau, si on se projette sur un DU qui est en mode SaaS, il va forcément falloir retravailler sur ses accès Internet pour les rendre certainement plus performants, plus fiables. Voilà, donc c'est en faisant ce diagnostic, c'est aussi identifier les prérequis techniques et se préparer à construire quelque chose sur ces prérequis. La troisième étape qui sera sur la définir la cible, savoir où est-ce qu'on va. Donc, quelle est la cible que je veux atteindre? Et la feuille de route, elle va permettre d'identifier les différents projets à mettre en œuvre. Donc, en fait, c'est bien une projection sur une feuille de route ici, c'est une projection sur plusieurs années. Alors, c'est vrai que la temporalité est toujours un peu difficile entre les évolutions technologiques, d'environnement, se projeter trop loin, c'est difficile d'atteindre en l'état. Avoir une projection trop courte, c'est souvent trop ambitieux. Donc, voilà, quelquefois, travailler à 2-3 ans pour démarrer, c'est quelque chose qui est plutôt bien vu. Voilà, donc, c'est vraiment… La feuille de route ici, c'est ça. C'est quels sont les projets que je vais mettre en œuvre sur les quelques mois qui viennent, comment je les priorise et qu'est-ce que je vais obtenir en cible au terme de ces quelques mois. Alors, ce volet de recueil et d'analyse des besoins, c'est incontournable dans tout projet. Parce qu'aujourd'hui, voilà, même si on ne passe pas par une phase forcément de cahier des charges formalisé, si on se projette sur le plan ESMS numérique, effectivement, les solutions en niveau fonctionnel elles vont être préqualifiées. Donc, effectivement, mais aujourd'hui, si vous n'êtes pas au clair avec les besoins et les priorités que vous allez mettre, ça sera plus compliqué de faire un choix. Voilà, donc l'objectif, c'est bien déjà de recueillir et d'analyser les besoins, de mettre en place une organisation, une solution qui répondra. Voilà, si on met en place une solution, un DU, sans identifier et partager clairement le besoin, elle sera difficilement applicable et appliquée. Voilà, et je reviens,
là, on présente des méthodologies, des bonnes pratiques, hein, comment faire pour recueillir, analyser les besoins, donc capitaliser sur les besoins qui ont déjà été exprimés, qui sont pas spécialement, auxquels n'a pas su répondre, s'entretenir avec les utilisateurs. Et les impliquer effectivement dès les premières étapes du projet, c'est extrêmement important, non, pas seulement pour recueillir les besoins, mais pour aussi les intégrer dans le process. Voilà, et puis l'objectif, c'est quand même d'avoir une compréhension partagée des besoins et d'avoir d'être, que ce soit quelque chose qui soit convergent, que ces besoins soient bien identifiés de manière convergente pour que quand les solutions sont mises en place, on puisse bien revenir aux besoins précis, aux besoins prévus et identifiés et bien qualifier finalement est-ce qu'on a bien répondu aux besoins qu'on avait identifiés. Tout à l'heure, on parlait dans le périmètre des solutions, de bien identifier dans le cadre de l'organisation, avec quels éléments, quelles briques logicielles les solutions vont pouvoir communiquer. Il faut également envisager le projet ou le système d'information dans son écosystème un peu plus large. Et aujourd'hui, un dossier informatisé de l'usager, il va s'inscrire dans un environnement technique, dans un environnement qui sera également territorial par rapport à des plateformes de services qui sont souvent régionales. On va avoir également des éléments de réglementation à intégrer. Donc il faut, dans la cible, intégrer ces différents éléments. Ça permet de bien définir le périmètre et également les interfaces avec lesquelles les interfaces qu'il va falloir mettre en œuvre pour pouvoir interagir avec l'environnement régional, national et au plus large européen. Voilà. Et l'un des derniers points sur cet élément-là, c'est effectivement la maison de Dominique Pont qu'on voit ici. Il faut bien avoir en tête cette cible-là, qui est la cible nationale, et puis intégrer dans sa feuille de route différents éléments ou différents prérequis qu'il va falloir mettre en œuvre. Aujourd'hui, il va falloir penser à la fois le développement de solutions qui seront compatibles avec ces éléments, que ce soit les référentiels ou les services socles. Ou envisager la convergence des solutions actuelles vers cet environnement, vers cette maison. Et tous ces éléments-là, ça va contribuer à alimenter votre feuille de route, puisque même si c'est un peu, un peu masqué, on le voit pas, il y a des éléments qui sont importants de traiter comme en tant que projet. Qui sont des prérequis, toute l'implémentation des services socles, des référentiels socles, l'annuaire des professionnels de santé qui va s'étendre au médico-social, l'annuaire l'Aurore, tous ces éléments-là, ce sont des éléments de prérequis pour pouvoir ensuite développer les services que sont la messagerie sécurisée de santé, le DMP, avec lesquels aujourd'hui un plan SMS numérique, on demande aux solutions d'être interopérables. Voilà, donc tous ces éléments de référentiel socle, ce sont aussi des éléments de projet qu'il faut prévoir et projeter dans la feuille de route. Alors, c'est parfois pas évident parce que c'est très technique, mais il faut au moins, c'est important d'avoir ces éléments en perspective lorsqu'on travaille sa feuille de route SI. Voilà, la dernière étape, ça va être de formaliser la trajectoire, d'avoir une vue un peu exhaustive des différents projets qui vont devoir être inscrits à la feuille de route, des projets existants, des projets associés à des besoins fonctionnels et du cœur du métier. Donc, c'est typiquement un dossier informatisé qui est dans cette dimension-là. Des projets aussi qui va falloir programmer de par l'obsolescence technique ou fonctionnelle d'applications qui existent déjà.
Voilà, si on veut s'engager sur des projets de dématérialisation, ce sont des projets en tant que tels également. Nos solutions ne sont pas toujours prêtes à y faire face. Et puis, bah, on l'a déjà abordé, on est dans un contexte où la sécurité informatique, enfin, il y a des enjeux très, très importants, de plus en plus de risques sur ces aspects-là. Donc, effectivement, il y a plein de projets qui sont un peu techniques, mais la sécurisation des accès Internet, dans le cadre du développement des solutions de mobilité, la sécurité doit être également pensée. Donc, c'est beaucoup d'éléments qui viennent également s'inscrire dans une feuille de route. Et puis également, bah, les projets qui découlent de la mise en œuvre de la réglementation sur le RGPD, qui peuvent aussi être des projets organisationnels, hein, de révision de process, de mise en conformité, et pas seulement mise en conformité technique également, qui doivent aussi alimenter et ça, alimenter et s'inscrire dans la feuille de route. Voilà, le dernier objet qu'on vous présentera, c'est un peu une structure type de formalisation d'un projet. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la problématique? Quels sont les objectifs? Quel est le périmètre? Quels sont les acteurs, les organisations? Quels sont les prérequis, comment ça se projette, comment ça se planifie. Voilà, ce sont des éléments qu'il va falloir décliner dans chacun des projets et ce qui peut vous servir aussi pour décrire pour répondre à l'appel à projet du plan ESMS numérique. En conclusion, je pense que la feuille de route, l'idée qu'on souhaitait faire passer, c'est que le plan ESMS numérique n'est pas une fin en soi. Il doit s'inscrire dans une stratégie et dans une feuille de route qui sera la vôtre. Voilà, c'est une opportunité qu'il faut, à mon sens, saisir, mais que ce soit maintenant ou dans les mois qui viennent, mais qu'elle soit intelligemment articulée dans un schéma qui soit effectivement plus global, plus ambitieux et qui répondra au final à ce que vous souhaitez mettre en œuvre et ce dont vous avez besoin. Voilà. Merci beaucoup, Nadège. On va prendre peu de questions sur cette présentation qui était très claire. Et donc, on vous le rappelle, notre objectif, c'était de vous accompagner au-delà du programme dans une réflexion plus générale sur la stratégie dans le cadre du virage numérique pour que vous ayez l'ensemble de cette stratégie en tête au moment de décider de vous positionner, de rédiger potentiellement une réponse dans cet appel à projet. Il nous semblait important, voilà, de replacer cet appel à projet dans plus généralement le sens à donner et comment inscrire une stratégie de système d'information. Alors, peut-être la... Pardon. Oui, je voulais simplement rajouter, c'est vraiment une occasion. Le fait de savoir que dans les deux prochaines années, il va y avoir régulièrement de l'argent qui va arriver côté numérique, c'est l'occasion de subventionner votre feuille de route, en fait. Donc, même si ça vous paraît décalé parce que dans une semaine, il faudra déposer un dossier, la réalité, c'est qu'en fait, ce n'est que la première fois qu'il y a une demande d'appel à projet. On vous conseille de faire une feuille de route très, très rapidement et de vous dire que tous les 6 mois, 1 an, il y aura de la subvention qui arrivera sur un morceau de la feuille de route et donc qui vous aidera à aller quelque part. Pour ceux qui ont la chance d'avoir déjà une feuille de route ou un schéma directeur qui est déjà posé, la note de cadrage, entre guillemets, pour déposer le dossier sera beaucoup plus facile. Après, vous voyez, si vous avez le courage de vous dire « Allez, on s'y met vraiment au numérique cette fois-ci », vous pouvez en seulement 2-3 mois écrire une feuille de route, vous dire comment les prochains appels à projets vont pouvoir subventionner cette feuille de route et en fait, vous profitez régulièrement d'argent pour pouvoir compléter le budget informatique que vous avez aujourd'hui et vous mettez vraiment du sens à l'ensemble. Alors, quelle est la différence? Je vois, j'en profite pour répondre aux questions. Marie, tu voulais. Vas-y. quelle est la différence entre une feuille de route et un schéma directeur? La différence, c'est le nombre de pages. Voilà. C'est parce que simplement une feuille de route dans le monde de la santé, c'est quelque chose de relativement lourd. Voilà. Ça fait plusieurs, euh,
plusieurs dizaines de pages, voire une grosse centaine de pages. Voilà. Donc, c'est un travail qui dure 1 ou 2 ans, ce qui est très bénéfique parce qu'en fait, ça permet de savoir où on y va très précisément et pourquoi on y va. Et on sait très, très bien pourquoi chaque sou est donné. Ça, c'est très positif. Par contre, on sait aussi que c'est très long à construire. Donc, ce qu'on a plutôt l'habitude de faire dans le secteur médico-social, vu qu'on a des structures plus petites, c'est de faire un petit peu des diagnostics rapides et de se faire une feuille de route juste derrière. Ça se fait en quelques semaines, quelques mois, et ça permet de guider au moins sur 1 an ou 2, de manière vraiment intelligente. Et puis, quand on a affaire, on en a marre de faire des feuilles de route tous les 1 an ou 2. À un moment, on se dit, mais en fait, il faut un vrai schéma directeur qui nous fasse un tracé sur 4-5 ans. Voilà. On voit passer encore des questions sur l'interprétation de l'instruction. Alors, on ne veut pas du tout être déceptif, mais on est obligé de vous dire de vous rapprocher de la CNSA sur la boîte mail dédiée et auprès de vos ARS pour avoir des réponses qui soient vraiment le plus fiable possible. Peut-être en quelques mots, sauf si on voit d'autres questions prioritaires, peut-être vous présenter les ressources ANAP qu'on n'aurait pas encore évoquées pour l'instant. Vous avez à votre disposition des dispositifs d'entraide qui peuvent vous aider à échanger entre vous dans vos réflexions sur l'appel à projet et plus généralement sur vos stratégies SI. On a notamment le club des RSI médico-sociaux. Donc, pour ceux qui voudraient en faire partie, n'hésitez pas à vous signaler pour qu'on puisse vous intégrer dans ce Slack. Hein. C'est un forum, entre guillemets, ouvert dans lequel des responsables SI médico-sociaux peuvent échanger. Vous pouvez aussi vous rapprocher des collectifs SI médico-sociaux. Donc, pour cela, rapprochez-vous de vos fédérations qui sauront vous dire où en est la mise en place du collectif dans votre région. Il y a des régions où ils sont déjà en place, il y a des régions où ils sont en train de se structurer avec les fédérations. Donc, adressez-vous à vos fédérations qui pourront vous dire où ils en sont. Et puis, ça peut aussi créer un mouvement pour se dire, il n'y en a pas encore chez nous, mais peut-être qu'on peut se rapprocher ensemble et essayer d'en mettre un en place. En termes de ressources en ligne, vous trouverez sur le site de l'AMNAP le kit du directeur et le kit outils pour le responsable SI qui vous donneront des outils et qui consolident certains des éléments dont on a pu vous partager l'existence aujourd'hui. Et puis, très prochainement, on vous tiendra au courant de la publication du kit du déploiement d'un DUI qui sera une ressource utile pour les responsables SI au moment de se lancer dans le déploiement. Voilà pour les grands... pour les grandes ressources. Voilà, pour le reste, c'est des choses qu'on a déjà évoquées, mais le support vous permettra d'avoir les liens pour accéder à l'ensemble de ces informations. On vous trouverait également dans le support les références et documents utiles qu'on a pu évoquer, qu'on a essayé de vous partager le plus possible dans le chat. Donc, on vous a mis les références vers la doctrine technique numérique et vers la trajectoire adaptée au médico-social. On vous a mis le lien vers l'instruction, le replay de la précédente conférence, ainsi que le webinaire de l'ANS sur la trajectoire du numérique en santé pour le médico-social, pour que vous ayez l'ensemble de ces informations qui soient remobilisables pour vous ensuite. Vous pourrez bien sûr retrouver donc cette webconférence en ligne sur le site de l'ANAP et on vous a mis le lien vers le fil de discussion sur lequel vous pourrez poursuivre ces échanges entre vous et avec nous pour vous aider dans ce projet. Et puis, pour ceux qui seraient intéressés, on vous a mis le lien également vers le réseau des pairs ANAP pour ceux qui souhaiteraient s'engager plus loin dans cette démarche de partage d'expériences sur des projets SI. Voilà, donc pour plus de détails, vous pourrez candidater sur le site ou prendre contact avec nous pour avoir davantage d'informations. Et enfin, on vous a remis l'ensemble de nos coordonnées, donc c'est celle qu'on vous a présentée au début. Donc, la boîte générique pour poser toutes vos questions relatives à la recevabilité, l'éligibilité des projets, pour tout ce qui est aspect méthodologique qu'on a pu vous présenter aujourd'hui,
nos adresses mail, les adresses mail des intervenants d'aujourd'hui. Et puis pour toutes les questions relatives au réseau de l'ANAP, le mail de Marion Pina. Voilà toutes les informations qu'on pouvait vous donner aujourd'hui. Donc on vous remercie pour votre participation, pour les échanges nourris qu'on a pu voir dans le chat. Et puis on espère que ça se poursuive sur le site de l'ANAP. Merci beaucoup et bonne journée.